Bonjour, dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer mon concept de toile soin énergétique. Alors en fait, c'est une toile, mais c'est également un soin. C'est une toile qui est là pour rayonner sur vous, sur vos énergies et sur votre lieu de vie ou votre espace de travail selon où vous allez la placer. Donc c'est une toile qui est créée entièrement par canalisation. Alors qu'est-ce que c'est la canalisation? C'est une forme de communication universelle, on peut appeler ça, je sais pas, télépathie, intuition. C'est la même chose que j'utilise quand je fais des communications animales, vous retrouverez l'explication dans ma vidéo d'avant, et également dans les guidances intuitives, les guidances personnelles que je propose. En fait, je me connecte à votre énergie et je transmets les messages reçus, d'une part sur la toile et d'une autre part sur le message que je vais vous transmettre, pour votre mieux-être. La toile est créée en fonction des besoins du moment, de vos problématiques. Ce peut être des angoisses, des peurs, un deuil à faire, une tristesse, de la colère, le manque de confiance en vous, en la vie. Voilà, donc c'est une toile qui fera véritablement l'effet d'un soin énergétique donc sur vous, sur votre lieu de vie ou de travail, afin de vous permettre de relever le taux vibratoire d'une part du lieu et de vous-même, de vous aider à retrouver de bonnes énergies, des bonnes ondes. À vous rééquilibrer énergétiquement et donc moralement. Par exemple, en fonction de ce qui a équilibré en vous, ça peut être plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de peps, de motivation dans ce que vous faites, de confiance, enfin voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment ou qui connaissent mon travail créatif, vous savez que c'est intrinsèquement lié à chacune de mes créations. Je pense que quasiment toutes mes toiles ont cet aspect énergétique. D'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont ressenti et je les en remercie parce que oui, effectivement, c'est le but. Mon intention a toujours été d'apporter de la lumière dans ce monde à ma façon, de contribuer à illuminer ce monde et ces êtres, à apporter de bonnes énergies, à monter le taux vibratoire des gens, des lieux, de par les couleurs, les mots, les formes, les symboles. Alors, tout part de ce message personnel, dans le sens où je canalise d'abord le message et ensuite je peins la toile. Donc évidemment, les deux sont très liés. Alors vous recevrez donc la toile et le message personnel que je rédigerai à l'écrit. Comme ça, ça vous permettra de le relire si besoin. Ce message peut être transmis par vos guides, peut être transmis également, mais ça je ne contrôle pas, hein, si ça arrive, par vos défunts. Je me laisse porter par les messages. Ou de façon générale, par la vie, on va dire, par la source, ou l'univers, on l'appelle comme on veut, selon ses croyances. Donc il me paraît important de retranscrire également avec des mots le message reçu, le message transmis par la toile aussi. Cette toile est une création qui est très personnelle, qui est créée en fonction de vous, de vos énergies. Et du coup, c'est comme un cadeau que vous vous offrez. Je me dis, votre énergie vitale vous en remerciera. C'est la même chose que si vous faites un soin énergétique. Alors effectivement, ça ne fait pas tout, ça ne remplace pas un travail d'intériorisation personnelle, mais c'est une petite aide et c'est comme un petit post-it au mur, un petit rappel quotidien. Alors ce type de toile énergétique peut être également offert à un de vos proches. Alors pour avoir votre toile énergétique, bah, c'est simple de me contacter. L'idéal c'est d'échanger au téléphone, comme ça je pourrais vous poser des questions ou sinon je vous transmets un questionnaire assez simple. Vous pouvez également offrir une toile soin énergétique à quelqu'un. À ce moment-là, l'échange que nous aurons, que ce soit au téléphone ou par écrit, sera effectué en fonction de la personne destinataire de la toile. Et également, comme je le fais pour les toiles personnalisées, la possibilité d'offrir un bon cadeau. Et dans ce cas, l'échange se fera entre moi et le destinataire directement. On n'aura plus à passer par vous. Donc c'est comme vous préférez. Soit vous préférez offrir la toile directement finie avec le message, ou bien offrir le bon cadeau et je verrai directement avec la personne. Par rapport à mes réponses actuelles, les choses sont susceptibles d'évoluer, donc fiez-vous toujours à ce qui est écrit sur mon site. Par exemple, là, pour l'instant, j'ai fait le choix de proposer deux formats principalement, bien que d'autres soient possibles en me contactant. Le petit format ferait à peu près 40 par 50 cm ou 50 par 50. Et le format moyen fait 60 par 80 ou 60 par 60. Par contre, il y a certaines choses que je ne peux pas faire sur le petit format, mais que je peux faire sur le format moyen. Par exemple, du collage, travail de certaines matières,
ça sera moins évident sur du plus petit, quoi. Donc le format commun, et de toute façon c'est le format qui passe partout, en général c'est le 60 par 60 ou le 60 par 80. Ça va dans des petites pièces comme dans des grandes, voilà. Mais on peut voir aussi du format plus grand. Hein. Ensuite, par rapport au choix du format plutôt carré ou plutôt rectangulaire, je me laisse le droit de choisir par rapport au rendu final, tout simplement, selon ce qui va être peint sur la toile. Des fois, c'est plus joli de façon rectangulaire et des fois plus joli de façon carrée. C'est simplement d'un point de vue esthétique. Sauf si vraiment il y a une contrainte de votre côté, auquel cas il ne faut pas hésiter à me le préciser. Ah oui, aussi, je voulais dire que les envois par la poste sont possibles, comme je le fais pour les autres toiles, les créations personnalisées. Donc maintenant, pour la suite de la vidéo, j'ai envie de vous présenter la dernière toile énergétique que j'ai créée. Donc je remercie la personne qui a accepté que je la partage. En fait, c'est une femme qui est venue me voir pour que je crée cette toile pour sa sœur. Donc c'est sa sœur qui lui a dit qu'elle voulait ça en cadeau. Donc voilà, les deux sont courants. Ce qui est super, c'est que la toile n'a pas encore été offerte, mais j'ai eu un retour du coup de la sœur de la destinataire qui a pu voir la toile et a pu lire le message personnel et a dit que ça lui correspondait tout à fait, les messages transmis. En plus, il y a eu une page entière que j'ai rédigée en petit. Donc voilà, je suis super contente et j'ai hâte que la personne en question ouvre son paquet cadeau. Voilà, là c'est vraiment à titre d'exemple. Il faut se dire que chaque toile est unique, puisque chacun nous sommes uniques, hein, heureusement. Notre énergie est unique et notre problématique aussi. Donc voilà, c'est vraiment à titre d'illustration, de présentation de ce que je crée. Mais dites-vous bien que si j'en crée une pour vous, pour un de vos proches, elle peut être totalement différente. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est vraiment par rapport au message que je reçois, que ce soit dans les couleurs, dans les dessins, dans les formes, dans les matériaux utilisés, dans les techniques utilisées. Voilà, j'ai tout un panel qui s'offre à moi, mais je veux rester vraiment au plus proche de mes ressentis sur la personne, sur les énergies de la personne. C'est exactement la même chose quant au message reçu. Il varie en fonction des messages reçu en termes de contenu, mais aussi en termes de longueur. J'ai pas envie de me limiter. Si je dois écrire beaucoup, j'écris beaucoup. Si c'est plus succinct, c'est plus succinct. Je veux pas écrire pour écrire et forcer les choses. Je laisse faire naturellement ce qui vient. Par contre, j'aimerais vous demander, donc je m'adresse aux personnes qui reçoivent ou qui recevront une toile soin énergétique et le message, de me faire un retour, parce que j'adore en fait... J'adore voir des fois les subtilités dans les mots ou même le contenu du message, en fait, à quel point ça peut vous toucher. Et c'est pareil dans les communications animales. Oh, je suis la première surprise à chaque fois que j'ai des retours, des fois pour des détails, ou quand je décris un lieu de vie, ou enfin voilà, j'adore. Peut-être que ça me réconforte aussi par rapport à mes canalisations, à mes intuitions, mais surtout ça me motive à continuer. Et ça me touche que cela vous fasse du bien en fait. Dans la suite de la vidéo, vous verrez visuellement du coup la toile et je vais lire le message qui a été transmis pour la jolie personne en question. Et à l'heure actuelle, j'ai hâte que cette personne reçoive la toile et son message et d'avoir son retour à elle. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vous faire ce petit cadeau ou de l'offrir à quelqu'un. Moi, c'est avec un plaisir immense que je crée ce genre de toile. Et si je pouvais faire que ça, ce serait le plus grand des bonheurs. Donc je vous dis à bientôt, ici ou sur mes réseaux. Crois en toi, ne doute plus. Nous, tes guides, sommes là, près de toi. Tu n'es jamais seul. Fais-toi davantage confiance. Quand tu as des moments de moins bien, ferme tes yeux, mets tes mains sur ton cœur et ressens cette chaleur d'amour te remplir tout entière. Cela effacera tes doutes. Nous t'aimons tellement. Dès que le besoin se fait sentir, n'hésite pas à nous parler. Nous t'entendons et te répondons souvent au travers de ton intuition. La lecture de livres est pour toi une aide pour t'élever. Aussi, l'écriture peut te permettre d'ancrer tes idées, de créer et de te libérer, d'être plus en paix. Tu es dans une période de renaissance, de nouvelle peau, de révélation à toi-même et aux autres. Ose être toi et te montrer tel que tu es. Nous sommes heureux de voir que tu prends soin de toi.
progrès intérieur. Ne lâche rien. Tes envies, tes projets, tu ne manqueras de rien. Il est temps de passer à l'action ou de continuer à manifester tes envies. Quand ton esprit se brouille ou qu'un choix se présente à toi, prends un moment pour te poser. Méditation, calme intérieur, repos. Ose exprimer tes besoins et ressentis avec authenticité. Sois toi-même, tu es belle. Aie foi en toi, en la vie. Remettant à plus grand. Avance et agis en confiance. Nous le répétons, tu n'es jamais seule. Tu es protégée. Ta douceur est ta force. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu es protégée et guidée. Avec amour.